برضه. خلي خلي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le ministre de l'Éducation, aujourd'hui on est lundi 8 janvier 2024. Vous êtes l'un des ministres, le ministre de l'Éducation, qui écoute beaucoup, qui parle beaucoup et qui agit dans le mauvais sens, jamais dans le bon sens. Vous avez parlé de l'école de la République. L'école de la République, elle existera quand les membres du gouvernement mauritanien, tous, sortiront leurs enfants de l'école française, de l'école américaine, des Mehae, des écoles françaises à Nouakchott pour les mettre dans la même place que les enfants de la nation. Tant que ceci n'existe pas, ça veut dire que le gouvernement mauritanien est en train de mentir au peuple mauritanien. Et je pèse bien mes mots. Monsieur le ministre, les enseignants, leur indemnité, vous êtes le ministre qui promet toujours avec des discours pompeux et aux résultats inexistants. Vous avez fait Sidi Babi, Ayoun, Nema, vous avez promis aux enseignants de régler le problème de l'indemnité d'éloignement. Jamais vous avez respecté votre parole. Monsieur le ministre, vous parlez de... Vous avez dit tout de suite que les enseignants manquent. Si les enseignants, les professeurs, leur indemnité, quand on est à 600 km, on est plus payé que quelqu'un qui est à 900 km, aucun enseignant n'aura le courage d'aller enseigner. Autre chose, les conditions des enseignants dans lesquels ils se trouvent. C'est des conditions lamentables. L'enseignant mauritanien est mal payé et parmi les plus mal payés de la sous-région. Allez-y vérifier. Monsieur le ministre, vous avez dit ici que les affectations, vous l'avez dit tout de suite, que les affectations, il y a des critères, vous les respectez. J'ai dit c'est faux et je donne la preuve. Vous avez fait organiser un atelier avec les enseignants. Vous avez sorti des résolutions sur les affectations, sur les nominations, vous ne les avez jamais respectées. Monsieur le ministre, le secrétaire général qui a assuré l'intérim, les notes de nomination individuelles, on a nommé un professeur sortant de 2020 comme directeur d'études. La note est là sur mon téléphone. Vous pouvez beau démentir, comme vous l'avez l'habitude de le faire, mais on vous le dira ici. Monsieur le ministre, il faut qu'on soit sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Les écoles françaises qui disent être homologuées en Mauritanie, c'est du pipeau, ce n'est pas vrai aussi. Parce que le gouvernement français de la République française n'a homologué et autorisé que l'école Théodore Monod, dans laquelle tous les enfants, excepté exception prête, des membres du gouvernement, ils sont. Ils négocient pour aller étudier là-bas. Nous, les Mauritaniens sont fatigués. Aujourd'hui, dans les écoles publiques, qu'est-ce que vous avez imposé comme règle? Vous avez fait des discours pompeux à l'ouverture, vous avez brûlé le président de la République, au final, vous avez demandé aux familles d'acheter vos propres tenues pour vos enfants, en plein milieu à l'année scolaire. Je trouve ça irresponsable. Ce n'est pas correct. Parce que les familles n'ont pas les mêmes revenus. Et si elles n'ont pas les mêmes revenus et qu'elles ont assez d'enfants, sans moyens, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez très bien, les enfants vont rester à la maison sans aller étudier. Et les conséquences, nous les savons. L'école de la République mauritanienne a renvoyé des enfants mauritaniens au Sénégal, au Maroc, en France, ailleurs, pour aller chercher une éducation. Nous voulons une école qui réunit tous les enfants mauritaniens, mais qui respecte la diversité culturelle de notre pays. Et ceci n'existe pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.